Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir un tuto très spécial, un tuto complémentaire des deux précédents. Alors, on a fait le premier tuto concernant la définition des axes. Le deuxième tuto en deux parties, on a vu avec vous la définition des étages et les quelques techniques de modélisation. Alors aujourd'hui, on va voir quelques techniques un peu spéciales, un peu bizarres, des techniques qui sortent de l'ordinaire. Allez-y, on va débuter. On va voir qu'est-ce qu'on va voir avec ces techniques. Alors je vais tout d'abord sélectionner cette partie de robot. On va voir pourquoi. Alors, comme je vous ai défini la dernière fois, les icônes ou bien les interfaces que Robo définit en premier sont des interfaces ou bien des types de structures qui vont vous mettre tous les éléments que vous allez étudier pour définir ce type de structure dans l'interface près de vous. Alors, au lieu de chercher dans le menu affichage, édition, structure, ici, alors il vous met toutes les icônes ou toutes les paramètres, les fonctions que vous allez utiliser pour cette structure près de vous ici. C'est ça la différence entre tous ces types d'interfaces. Mais vous pouvez modéliser dans n'importe quel type d'interface, n'importe quelle structure. Il faut juste savoir où vous allez trouver la fonction ou bien le paramètre que vous allez utiliser. Alors j'ai choisi ça parce que dans ce tuto, je vais utiliser un paramètre que je ne vais pas le trouver facilement dans les autres interfaces. On va le voir quand on va l'utiliser. Je vais vous dire, voilà les paramètres que je voulais faire apparaître. Alors allez-y, on va débuter. On va aller à la définition des axes. Alors, dans le tuto définition des axes, on a vu que la définition des axes cartésiens, ça veut dire les axes linéaires en X, Y et aussi en Z. Alors, aujourd'hui, on va voir des axes cylindriques. Alors, c'est quoi un axe cylindrique? Alors, pour définir les axes cylindriques, on définit deux choses. Alors, dans les axes cartésiens, ce sont des axes qui existent dans un repère cartésien, qui est X, Y et Z. Pour les axes cylindriques, ce sont des axes qui existent ou bien qui vont exister dans un repère cylindrique. Alors, le repère cylindrique est caractérisé par un Z et par deux autres directions ou bien deux autres paramètres. Au lieu de x, y, c'est l'angle et la distance radiale, c'est-à-dire la distance en rayon. Alors, l'angle, c'est quoi l'angle? Excusez-moi. Alors, on a dit que un repère cylindrique, c'est caractérisé par une distance radiale et une angle. Alors, pour les distances radiales, je vais définir deux distances. On va les voir dans le schéma. Je vais les expliquer avec 3 mètres. Distance, alors j'ai 0, 3 et 3, 6. Alors pour l'angle, je vais définir deux angles avec 45, que 30 degrés ajoute. Et pour Z, je vais définir un seul niveau à 3 mètres. Alors j'ai appliqué. Alors ici j'ai pas l'affichage 3D, je peux l'afficher à partir de cette petite icône. J'ai le 3D ici, et voilà. Voilà comment ils sont les axes. Alors j'utilise les axes cylindriques lorsque j'ai une structure courbée, une structure sous forme d'une courbe. Alors ça, je peux pas le réaliser avec les axes cartésiens. Il faut absolument chercher des axes courbé. Alors, ma distance radiale, c'est la distance entre ce point et ce point, j'ai 3 mètres. Et entre ce point et ce point, j'ai 3 mètres. L'axe Z, c'est entre ce point et ce point, j'ai 3 mètres. Et les angles, c'est entre cet axe et cet axe et cet axe. J'ai 30 degrés entre cet axe et 30 degrés. C'est 2 fois
collé. Alors maintenant, je veux dessiner un voile courbé dans ce sens. Alors comment je vais faire? Alors je vais aller à cette petite icône ici. C'est l'icône objet et je vais essayer de la positionner ici et je sélectionne arc. Alors voilà, pour que je puisse définir arc, j'ai trois options. Soit je clique sur le centre de l'arc et deux points, le début fin et le début centre et fin. Voilà, on va faire voilà, le centre, début et fin. Pour la deuxième option, c'est la même chose. Et la troisième, c'est la même chose. Alors maintenant, je veux créer un voile à partir de cet arc. Comment je vais faire? Alors je vais à l'onglet édition. Alors voilà. Maintenant, je vais vous répondre à la question que j'ai posée au début de la vidéo. Alors lorsque je vais cliquer sur l'onglet édition dans les autres interfaces, j'aurai pas ces paramètres. Ces quatre paramètres, ils vont pas s'afficher. Alors c'est pour cela que je voulais choisir cette interface pour faire apparaître ça. Alors ici j'ai quoi? J'ai extrusion. Alors pour faire une extrusion, je peux sélectionner. Alors tout d'abord, je dois sélectionner ça en premier et je clique sur extrusion. Alors je vais pas les définir avec une vecteur, on va le voir après. Alors je vais créer cette extrusion en Z. Alors je dois sélectionner Z et la distance de l'extrusion. Alors j'ai 3 mètres ici. J'impose 3 mètres. Applique et voilà ma structure. Ça c'est juste, alors je m'excuse, alors c'est une structure bardage, comme un bardage. Alors pour que je puisse définir, voilà, j'ai un panneau. Alors pour que je puisse définir mon panneau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais épaisseur élément fini. Je sélectionne ça, elle est sélectionnée automatiquement. Et je mets un épaisseur, soit j'ajoute un épaisseur à partir de ça. Alors je vais ajouter un épaisseur, par exemple, d'un voile de 20 cm. Alors la couleur auto, l'épaisseur c'est 20 cm, uniforme. Le voile il est en béton de 25. Ajouter, et voilà. Après je sélectionne ça. Ça, voilà, ou bien 1, il est déjà sélectionné, appliqué, et voilà mon panneau voile. Voilà, vous pouvez le voir ici. Voilà, j'ai un matériau, c'est le béton, l'épaisseur c'est 20 cm, et voilà mon voile coupé. Alors, ça, c'est la première méthode avec laquelle je peux définir. Alors, il existe une autre méthode que je peux faire, que je peux utiliser, c'est la méthode du bardage. Alors, vous allez me dire, le bardage, il sert à définir des contours rectangles, certes. Non, mes amis, j'ai la fenêtre géométrie, j'ai les segments, j'ai ces deux éléments, ils sont les mêmes. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Alors, j'ai ça, arc. Début, centre, fin. Mais méfiez-vous, mes amis, centre ici, c'est pas le centre. Ça, c'est le centre de l'arc. Alors, vous allez, si vous allez par exemple créer une arc de, ou bien un voile avec un arc de 60 degrés, il faut créer un axe intermédiaire qui va définir le centre pour que vous pouviez l'utiliser lorsque vous êtes en train de la définir avec un barrage. Alors, voyez, mes amis. Alors, je vais cliquer début ici, centre. Et fin. Et voilà, l'arc a été créé. Alors ici, je ne vais pas continuer avec ça. Je vais cocher segment pour qu'il va directement. Alors si je laisse l'arc, il va créer un arc ici. Après, je switch segment, ça. Et une autre fois, je switch segment. Et il va créer un bardage. Et voilà mon bardage. Et je peux faire la même chose que j'ai fait tout à l'heure, épaisseur élément fini, mon bardage, je sélectionne mon bardage, appliquer, et voilà mon panneau créé avec. Alors, si vous voulez par exemple créer une plancher courbée, c'est la même chose, il faut créer les coordonnées cylindriques dans, entre l'axe Z, X ou bien l'axe Z et Y suivant l'orientation de votre dalle courbée. Je souhaite que cette
séance complémentaire a été bénéfique pour vous. Si vous avez des questions sur les méthodes de modélisation ou bien les techniques de modélisation, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je serai ravi à vous répondre. Merci mes amis et à un prochain vidéo, Inch'Allah. Au revoir.